Donongora kabila sanga bona na wulu bizame ningala jalo dwaliye ha jabali ibora ila 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 mama rasula jadin lo maja nyamina araba kale odo maja aye Contre la prédation de l'impérialisme, l'Afrique, à travers l'OAS, lance une contre-offensive. Plusieurs fronts se creusent. Au plan diplomatique, bilatéral ou multilatéral, le ministre Diop et ses homologues y veillent. Il ira juste sans langue préconçue tous les comportements des puissances hostiles. À ce niveau, le bilan établi dans les missions diplomatiques fait honneur. On roule le tapis aux ressortissants des États de l'AES, ce qui était un rêve autrefois. Au plan militaire, intérieur ou extérieur, asymétrique ou dissymétrique, on progresse. Cette montée en puissance est facilitée par la fraternité au sein des armées. D'emblée, les FAMA et leurs frères d'armes des États de l'AES sont devenus guerriers. Oui, de vrais guerriers grâce au chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, qui se révèle un fin stratège. Plus besoin à l'heure actuelle des hommes pour décorer les différents théâtres d'opération. Nous domptons avec efficacité la nature et les hommes armés non étatiques sans assistance de ceux qui se croyaient hier le centre de la terre. Au plan socio-culturel, le succès est tangible. Nos langues sont semées comme langue officielle dans la Constitution. Nous sommes de plus en plus fiers de nos styles vestimentaires, de nos croyances. En un mot, les peuples de l'AES sont sur la piste de nos valeurs culturelles et sociales. Le roi Shaka Zulu qui a répondu « Par ici, on mange du feu » lorsqu'un homme européen lui a dit de se convertir pour ne pas aller en enfer. Le roi Shaka Zulu sera fier de l'AES dans son repos éternel. Cette offensive diplomatique, sécuritaire et socio-culturelle va bientôt permettre de libérer totalement l'Afrique. L'énergie positive que dégage l'AES doit inspirer même les moins optimistes. L'AES est un raccourci pour assurer l'autonomie africaine. Elle est la compression pour arrêter l'hémorragie, car le sang noir a trop coulé sans raison valable. Sans crainte ni peur, revenons donc sur les traces de nos vaillants panafricains à l'image de Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Patrice Lumumba, Sankara, Jules Christ Olympier. Toutes ces figures et bien d'autres ont tous bravé le prédateur qu'on a encore en face. La guerre n'est pas totalement gagnée. Prenons donc courage pour sauver cette Afrique qui souffre encore de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le ciel a accordé tout à l'Afrique, la richesse de notre sous-sol, de nos forêts, de nos fleuves, lacs et rivières, ne doit être notre malheur. Plus personne ne sera notre porte-parole pour les sujets qui nous engagent. Plus personne n'aura le mandat de nous représenter dans le concert des nations. Dirigeants de l'Afrique francophone, n'acceptez pas d'être manipulés. Tendez la main à vos frères de l'AES pour la vraie indépendance de notre continent. Prenez vos responsabilités. Ne donnons plus la place à la peur, à la traîtrise, au rendez-vous manqué. Unissez-vous pour constituer un bouclier contre les glaires de l'ennemi. Battons-nous pour mettre fin au terrorisme fabriqué par les impérialistes. L'Afrique libre, c'est aujourd'hui ou à jamais. Bato majerani mari bafri dangoma atarida Bato majerani tamade ndri jevoro atarida Eye maule kolokoluwa jalu menyanye sajara sabau ayamaye. Formation classique se poursuit dans les différents centres. Si à l'école de la gendarmerie, les hommes suivent la formation du brevet d'armes numéro 1 et numéro 2 et les recrues continuent leur professionnalisation, à Kidal, elles continuent normalement sans problème majeur, nous disent nos reporters. Prenez la teneur, les dispositions de l'article 633.
À l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Faladier, il est presque 15 heures. Les stagiaires du brevet d'armes numéro D suivent un module sur la procédure écrite. Des connaissances indispensables pour le gendarme dans son travail de tous les jours. En face, dans une autre salle, les stagiaires du brevet d'armes numéro 1 écoutent avec beaucoup d'intérêt l'intervenant du jour développer les techniques de gestion des ressources humaines. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités de la transition ne badinent pas avec la formation. Comme aime à le dire le ministre de la Défense et des anciens combattants, une armée moderne, ce sont des hommes bien formés. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir avoir à la fin de cette session des sous-officiers capables d'occuper en tout cas certains postes de responsabilité. Donc si nous prenons l'exemple sur les stagiaires qui font le brevet d'armes numéro D, l'objectif, c'est de former en tout cas des sous-officiers qui sont capables dans l'avenir de commander des sections de combat type infanterie et aussi assurer les fonctions de commandant de brigade pour les gendarmes. Tant que vous ne suivez pas la formation, le résultat se voit tout de suite sur le terrain. Je les invite à suivre cette formation et à être très curieux, à poser beaucoup de questions et aussi à faire partage des cas d'expérience qu'ils ont vécu sur le terrain. Peut-être à l'école ici, on pourrait leur donner en tout cas des conseils pratiques si ce genre de situation se présente encore. Donc au-delà de ça aussi, la population, donc à leur sortie, la population quand même comme toujours, peut compter sur cette armée qui est là jour et nuit, en fait, qui œuvre pour le bien-être des peuples ou de la population malienne, à défendre l'intégrité territoriale et être au service du citoyen. Dans la cour, les recrues qui ont fini avec la formation commune de base sont initiées au métier de gendarme. Rien n'échappe aux instructeurs. Ils veillent sur les petits détails. Car à la sortie, il faut des hommes capables de défendre les intérêts de la nation malienne. Allez, pas de coups de cassé, pas de coups de cassé, pas de coups de cassé, les regards fixes devant soi. Allez. Les hommes que vous voyez sont des recrues de la gendarmerie. Et actuellement, ils sont au nombre de 1217 recrues. Ils sont là dans le cadre de la qualification gendarme. C'est notre première expérience d'avoir des soldats au sein de la gendarmerie. Donc d'où le nom auxiliaire des gendarmes. Donc dans les temps, on était habitué à la formation des sous-officiers et la gendarmerie ne recevait que des sous-officiers. C'était un sous-officier de corps. Mais actuellement, nous recevons les soldats qui, à leur arrivée, il va falloir quand même de les former en tant que gendarmes. Je prends l'exemple, ils ont subi une formation commune de base. Maintenant, chaque soldat affecté à une corporation, il reçoit une formation appropriée par rapport à ces corps-là. C'est dans ce cadre-là qu'ils sont là. Ça va quand même renforcer beaucoup notre capacité opérationnelle sur le terrain, du point de vue effectif et en même temps l'opérationnalité. Le défi est de taille, mais il faut maintenir le cap. Grandes et puissantes sont nos forces de défense et de sécurité. Elles tiendront ce rôle, nous laissent Volens parce que l'histoire le leur commande. Car les Maliens viscéralement patriotes et les panafricanistes conscients de leurs devoirs le leur imposent.